Assalam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir le rêve d'entrer au paradis et de ses différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles pour 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le mois en question. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez faire un don ponctuel via Xoom qui se base sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros pour 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran, que vous trouverez aussi dans la description. Et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Si on rêve qu'on entre au paradis céleste, ce rêve représente la bonne nouvelle qu'on y entrera si Allah le veut après votre mort. Si un pèlerin se voit entrer au paradis dans un rêve, cela signifie que son pèlerinage sera accepté ou qu'il atteindra la Kaaba à la Mecque. S'il manque de foi en Allah, cela signifie qu'il deviendra croyant. Si un croyant alité se voit entrer au paradis dans un rêve, cela signifie qu'il mourra de sa maladie. Si c'est un non-croyant alité qui se voit entrer au paradis dans un rêve, cela signifie qu'il guérira de sa maladie, tout simplement parce que pour un croyant, le monde est une prison et qu'il faut s'en échapper en fait. Tandis que pour le mécréant, ben, toutes les récompenses, ben, il les a ici dans ce monde actuel. S'il n'est pas marié, le rêve d'entrer au paradis signifie qu'il se mariera. S'il est pauvre, cela signifie qu'il deviendra riche ou recevra un héritage. Si un malade se voit de nouveau en bonne santé dans la demeure de l'au-delà dans un rêve, cela signifie qu'il y parviendra libre des maux de ce monde, de ses adversités, de ses tentations. Donc, ce rêve-là, donc, si vous êtes malade et que vous rêvez d'entrer au paradis, soit cela signifie que vous mourrez de votre maladie, ou que vous allez guérir, mais que vous allez mourir aussi après un certain temps. Cela signifie que vous allez régler tous les problèmes ici-bas avant d'y aller. Si l'on n'est pas malade, entrer dans l'au-delà signifie des bonnes nouvelles, un succès commercial, un pèlerinage, un détachement ascétique de ce monde, une dévotion sincère, l'acquisition de connaissances, le renforcement de ses liens familiaux et la patience face à une calamité qui découle de ses propres péchés. Donc si vous êtes dans des... La plupart du temps, c'est positif, mais si vous avez de grosses difficultés dans la vie financière, personnelle, etc., relationnelle, et que vous rêvez d'entrer au paradis, en fait, c'est un message qui vous incite à la patience, que ce n'est que temporaire et que des jours meilleurs viendront. Si l'on se voit entrer dans l'au-delà pour visiter, voir les environs, et si l'on est une bonne personne de bonnes actions et de bon caractère, cela signifie qu'il sera au chômage et ou souffrira de pertes commerciales. Et c'est toujours lié à ce que je viens de dire. Donc, si vous souffrez dans le monde actuel, dans votre vie actuelle, et que vous avez ce rêve d'entrer au paradis, c'est un message divin qui vous dit que le monde est temporaire. Le paradis est éternel. Donc, soyez patient, en fait. Comment je dirais ça? Éprouver l'épreuve, essayer de survivre à l'épreuve en étant patient. Et que ça disparaîtra au profit d'un certain temps. Et si par malheur la mort viendra, la récompense vous atteindra de l'autre côté. Si l'on a peur de quelque chose, ou si on l'accuse de quelque chose, ou si l'on est stressé, cela signifie que ses craintes se dissiperont. Donc le rêve d'entrer au paradis. La plupart du temps, entrer dans l'au-delà, dans un rêve, signifie un voyage ou une immigration de son pays natal. Ainsi, si on rêve qu'on revient d'un voyage dans l'au-delà, cela signifie qu'on retournera dans son pays natal. Entrer au paradis dans un rêve signifie aussi un pèlerinage à la Mecque. Donc voilà à peu près le rêve d'entrer au paradis. Dans la majorité des cas, c'est positif. Et si votre vie est compliquée, que vous faites ce rêve, en fait, c'est un rêve d'espoir. C'est un rêve d'espoir qui vous incite à la patience en disant que ne désespérez pas, des jours au meilleur viendront. J'espère que je vous ai aidé. N'hésitez pas à aller dans la description sur comment vous pouvez me soutenir financièrement pour mes besoins médicaux.
La somme à réunir est de 300 euros. Tous les montants sont bienvenus. Donc, contactez-moi sur WhatsApp à ce propos pour avoir les coordonnées d'envoi par Zoom ou Western Union. Je vous dis à bientôt.